Bonjour tout le monde, donc fait de la séance, euh, on va continuer euh, pro, de parler à propos des langages de programmation. Petit rappel, on en fait, la vidéo précédente, et là, l'HTML ou l'HTML5. Donc, c'est la même chose, l'HTML5, c'est la dernière version de HTML. qui est Donc, si vous vous rappelez, c'est l'icône de l'HTML qu'on a vu, L'UMA, on va parler du CSS. Donc, CSS, c'est quoi Il a dit, tout a un langage qui l'HTML. Qui va nous permettre de le style, style, des couleurs, de la vie à notre page. Donc, l'HTML tout seul n'est pas suffisant pour que publier une page. Donc, CSS, c'est quoi Nous allons la petite définition. Le CSS ou la cascade in style Sheet, est un langage informatique servant à décrire. La présentation et le style d'un document HTML et XML. Donc, un radina dro l'HTML, HTML, le fait que CSS qui maguna, il permet de ouh, taki HTML, li le style. on kima kan euh, l'écran, ça c'est un exemple de la page. لي ما فيهاش غير لاش تي ام ال بوحدو لكن فيها سي اس اس دونك هي فيها دوت لونغاج ولكن اللي كيبان لينا حنايا يعني هنايا هو لاش تي ام ال و سي اس اس دونك كاين فرق كبير ما بين الصوره اللي كنا شفنا قبل فيها غير الكتبه ما فيها حتى شي حاجه اخرى هنا اون فوا بليس دو كولور اون فوا لاريير بلان ولا الخلفيه اون فوا دي فورم بلي ديفيرونت دونك هنا كنشوفوا لامبورطونس ديال سي اس اس ملي كندمجوا باردون مع لاش تي ام ال Contrairement à l'HTML qui se reconnaît avec ses valises d'ouverture et de fermeture, le CSS, lui, se reconnaît simplement avec un point précédant ses classes, une accolade précédant ses propriétés ou un double point précédant ses valeurs. Donc on peut ainsi différencier entre un P. Et un peu avec colorpack. Donc, maintenant, je vais écrire ici les balises. L'HTML, qu'on a des balises, des balises où on a des petites écritures qui sont maintenant, on a les voit bien. On des fois des balises d'ouverture et des balises de fermeture. donc, un P, on a paragraphes, fait des balises P. Maintenant, le CSS, on n'écrit pas de balises, qu'on un peu sous cette forme-là. Donc, maintenant, on veut faire ajouter le style ou le paragraphe. Tengtsbo, P, paragraphe, on ouvre des accolades, on écrit color, donc ça, ça s'écrit en anglais, donc color c'est couleur, deux points, et on écrit la couleur qu'on veut changer ou la qu'on veut ajouter à ce paragraphe. On fait un point virgule, on ferme nos accolades et on peut passer à un autre, une autre écriture. Donc, pour y voir plus clair. Donc, Neken Chufou, un peu l'exemple de l'écriture de CSS. هنا كنا هضرنا على البادي قلنا بلي هاد البادي ولا هاد لاباليز ديال البادي هي اللي اي حاجه تكتبات فيها هي اللي كتبان عندنا في لو لاباج ويب ديالنا دونك اي حاجه تكتبات خارج هاد لي باليز ما غاديش تبان عندنا في لاباج ويب دونك هنا كنا بغينا نبدلو مثلا أه لاغيغ بلون ولا الخلفيه ديال اي حاجه غتبان عندنا في لاباج ويب كنديرو باك جراوند كولور اللي كتعني لينا الخلفيه الكولور ولا اللون ديال الخلفيه وكنعطيوها واحد لو كود دونك هنا ما يخلعكمش هاد الكتبه هادي حيت ما كنحفظوش هاد النوع ديال الكتبه هادي غير كتعني لنا واحد لا كولور كيفاش كنحصلوا على هاد الكتابه كنقدروا نمشيو مثلا لدي سيت كنقولوا لهم لا كولور اللي بغينا وهما كيعطيونا هاد لو كود بحال هكا ولا ممكن غير في لو لوجيسيال اللي حنا كنكتبوا فيه الكود هو كيعطينا بحال هاد لي كود بحال هكا دونك عندنا اش ان الى عقلتو شفنا ديال العنوان دونك كيفاش كنكتبو كنديرو اش ان اون اوفغ دي زاكولاد كنكتبو مثلا لي شونجمون لي بغينا نابليكيو على هاد اش او العنوان دونك كنديرو كولور كنعطيو مثلا اورونج كيما شفتو هنا نقدرو نكتبو لا كولور سو سيت فورم دو كود ولا سو فورم دو مو نورمال كيعني كي هاد لا كولور الاين uh, كتعني بغينا نحطو لو ديالنا فواحد معين uh, دونك مثلا هنا درنا يعني لو تكس ديالنا في لسنتر. هاد باك جراوند كولور كولور وهاد تكست الاين هادو آه هاد الكلمات كلهم باو بجي تحفظوهم هادشي ما مع لابليكاسيون كنعقلو عليه وكنوليو نابليكيو اوتوماتيكمون بي حتى هي الا عقلتو عليها لو باراغراف مثلا بغينا نبدلو ليه الستيل ديال الكتابه ديالو بغينا نبدلو ليه لو فونت سايز كيعني الحجم ديالو هنا يعني ملي كنهضروا على الحجم كنحسبوا بواحد الوحده سميتها بيكسل دونك اي حجم بغينا نبدلو كنكتبوا الرقم ديال الحجم وكنزيدوا حداها اون مينيسكول بي اكس يعني كتعني 20 بيكس بيكسل مثلا ولا اون جينيرال بيكسل هنا واحد الحاجه ضروريه فيما كتبنا واحد لانفورماسيون ولا واحد الكود خصنا نديرو بوين فيغول هاد بوين فيغول كيعني بلي سالينا هاد المعلومه غندوزو لواحد المعلومه اخرى الا ما درناش هاد لو بوين فيغول على فان ديال السطر ديالنا كيكون هناك خطا والبرنامج ما كيقراش لينا لا سويت ديال دي الكود ديالنا دونك هنايا الى عقلتو على هاد لو euh, كود اللي خدمنا في لا سيونس كان ديال لاش تي ام ال هنايا هضرنا على لو بادي ديالنا اللي اي حاجه وسط منه كتبان في لا باج ويب هنا درنا واحد ليكزومبل ديال العنوان اش 1 هيدين الهيدين 6 عنوان اصغر منه حجم و ان باراغراف دونك هنا غادي نابليكيو لو لس, سي اس اس ديالنا كيما هضرنا عليه من قبل كيفاش غادي نقدرو نابليكيو السي اس اس اول حاجه غادي نديرو On va créer le fichier HTML où on va créer le fichier où on va l'extension CSS. Donc, on clique droit, on fait nouveau, on va sélectionner document texte. on va donner n'importe quel nom on veut. Par défaut, on va l'appeler style. La style Oranhido texte où on va faire l'extension CSS. Voilà, donc maintenant... Le, le Visual Studio Diana il va comprendre que c'est euh, un code de CSS. On revient à notre code. Donc, ici, mm. on mm. a un code qui fait lier le CSS avec le fichier HTML. Il a mis la liaison. Et quand on a le code, ça ne va pas s'appliquer à l'HTML. Donc, ici, on a la partie head. دونك هنايا في هاد لابارتي قلنا اي حاجه كنكتبوها هنا ما غاديش تبان عندنا في لاباج ولكن هنا نقدروا ناجوتيو لي فيشي اللي بغينا اللي ايه مع لو فيشي اتش تي ام ال ديالنا واللي كيكونوا اكسترن على لو فيشي دونك واحد لو كود غادي نكتبوا دابا هو اللي كيمكننا من نديروا لا ليزون كنديروا كنحلو لي لك لك لي غيومي اون في أه لينك دونك لينك كتعني الربط غير ايغال دونك هادشي جو ردي كو Pas obligé de faire d'abord l'application que nous avons créée. Style sheets HRF. Nous avons tout ce du fichier le fichier qu'on a créé. Donc style.css. On ferme les guillemets. On enregistre. Donc on va réouvrir avec Visual Code pour avoir les deux fichiers. Voilà, donc on a le fichier d'Iana index.html. Euh, pardon, c'était pas ça le bon fichier. Donc, ouvrir avec Visual Code. Ok, parfait. Donc, on a ce qu'on a écrit, un exemple d'application. Euh, on commence par changer le style du titre. Donc, on revient un peu, on a le titre en noir on va changer la couleur. Donc, comment on va procéder à ça il a, il a la balise, dit le titre, et il a H1. Donc, l'écriture, ça sera comme ça. On fait H1, donc il a son guillemets. Ou on va ouvrir les, euh, les accolades. Voilà. Au stade des accolades, on va écrire maintenant color, une yani hybride de la couleur, deux points. On va mettre orange. Par exemple, il a la couleur orange. Ou tout le euh, logiciel, il nous propose des couleurs. On fait euh, un point-virgule pour dire qu'on a fini d'écrire F. Stardiana. On revient la page, on rafraîchit la page, qu'est-ce qu'on découvre Voilà, on applique le style, on a des couleurs, donc le titre, la couleur. On va faire quelque chose, le sixième titre ou le titre H6, c'est Pourquoi on ne change pas le titre Donc on va faire une application ça. On revient à H6, donc non, on va écrire H6 pour dire que voilà, c'est ce H6 qu'on veut changer. On ouvre les accolades, on fait cette fois c'est font size pour changer la taille. Donc on va lui donner, je ne sais pas, on lui donne pixels. Euh, on enregistre. On va voir maintenant le résultat ici. Voilà, on voit que ça, ça a été appliqué. Donc, on un avant. Une dernière application, la vidéo précédente, on peut ajouter des images de HTML. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le Hajj, on va écrire img, on va mettre euh, source pour mettre. Après, euh, on va choisir. Un fichier, donc on va image. Donc c'est cette façon d'écriture, c'est juste pour trouver le fichier euh, ou euh, la chose ou l'image libérée. l'ensemble des fichiers euh, On va utiliser par exemple un ordinateur oula, une image. On va découvrir l'image qu'on aura après. On écrit un alt, head alt, ça sert à quoi Alt, c'est pour au cas où l'image, mais ben, j'ai une page, On affiche le mot, Had le mot les que alt. Donc euh, image, on va laisser image

euh, L'importance du css commence à carrément changer la page du où euh, on clôture donc, la partie de l'algorithme en voyant les deux langages de programmation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours chercher des langages un peu plus avancés. Mais pour le moment, à met les deux premiers hits, on met les deux premiers langages, les AI programmeurs, qui sont faciles et amusants à apprendre et à appliquer. Merci.